7-7-0. 7-0. Donc déjà, merci à tous d'être présents. Alors, je vais essayer de vous présenter... Sébastien ? Oui ? C'est un peu écrasé comme motivation. Ouais, je suis désolé. Il faut mettre après en phase. On va essayer comme ça. Donc du coup, je rappelle juste un petit peu la technique, la conception. La topologie du réseau, les interconnexions, les développements futurs, comme le soulignait René, et entre autres la partie SFN ARA, mais j'expliquerai un petit peu plus derrière, qui était surtout une idée à l'origine de Georges. Il avait présenté ça l'année d'avant, sa disparition, et donc entre autres l'idée étant surtout de pouvoir réunir tout le monde sur le même réseau. À l'origine, le réseau d'ailleurs s'était prévu entre Lyon, Saint-Étienne et Rouen, de mémoire. Donc en fait, pour ceux qui ont un peu suivi niveau technique, en fait, on part sur un système de logiciels, enfin c'est une suite logicielle qui a été développée par SN0 et SVX. C'est pour ça que ça s'appelle SVX Link, c'est l'indicatif de l'OM. Et c'est un petit logiciel qui est là pour piloter le relais. Et l'accent a été mis vraiment sur la qualité de l'audio. C'est ce qui explique quand vous faites une entrée, par exemple, sur un relais pour rentrer, donc, par contre avec une bonne qualité, vous avez vraiment l'impression que la personne se trouve sur le même relais que vous. Voilà. Toute la base du réseau est faite en base IP, donc que l'on connaît sur Internet. Et qui a l'avantage d'être compatible avec la majorité des systèmes réseau, c'est-à-dire du routeur, du pont Wi-Fi et autres, donc ce qui explique le choix. C'est un système bien sûr libre, on n'est pas sur du Microsoft ou autre, on est sur du Linux, donc la base est une base libre. Tout à l'heure j'ai fait l'explication sur le relais que j'avais en bas, en prenant deux vieux talcos. Alors je dis vieux talcos, mais c'était au début que je passais ma licence qu'ils étaient encore très d'actualité, donc ils ne sont pas si vieux que ça. Et donc en prenant deux postes comme ça, en les mettant à jour, on arrive avec quatre composants supplémentaires, c'est-à-dire deux condensateurs, un transistor, un trimmer. On peut upgrader deux postes et les passer en relais. Voire un relais simple, j'ai fait du talco également sur le R2X à Fixe Saint-Genest dans la Haute-Loire, qui est également sur cette même base-là, et il y a besoin de quelques composants pour le grader. Il y a également F1 et SYCH, je n'ai pas vu aujourd'hui mais qui devait venir, qui lui a travaillé sur les passerelles Ecolink et Destar, ainsi que du DMR, donc pour l'instant c'est expérimental, donc ça fonctionne. Il y a des petites différences de niveau, mais l'idée de pouvoir écouter le réseau et de pouvoir interagir avec le réseau depuis le numérique, ça permet de pouvoir donner un petit plus au réseau. Après, c'est des passerelles. Après, c'est assez complexe. C'est pour ça que je vais laisser ça. On ne peut pas tout faire. Mais effectivement, on pourrait faire du C4FM. Alors, l'idée, on voulait peut-être plus travailler sur la partie FRMCOM. Et vous voulez mettre le DCS 933U pour l'urgence, le 208.0 je crois, et éventuellement il y a aussi quelque chose dans ces 4 FM. Mais voilà, ça peut être des améliorations. Après, augmenter le nombre d'entrées, ça augmente aussi le nombre de problèmes, malheureusement. Oui, non, c'est parfaitement possible par contre. Alors il y a eu, j'ai mis une petite comparatif des codecs. Alors j'ai mis ce comparatif là, alors Geoffroy me corrigera, mais normalement nous l'Opus on est sur un codec en fait qui permet vraiment d'obtenir un débit avec une bande radio mais stéréo, donc une très bonne qualité qui on voit se rapproche du MP3 avec des débits vraiment qui sont très inférieurs, de l'ordre de la moitié quasiment. Il y a également ce protocole là, je crois que c'est le G711, c'est ça, on y reviendra tout à l'heure.
qui est moins bon en débit. Alors bizarrement, on retrouve un débit qu'on connaît très bien, pour ceux qui étaient télécom. On est à 64 kilobits, donc qui était le débit qui était utilisé chez les télécoms pour faire la transmission de lignes analogiques. Et donc en fait, le G711, c'est un protocole analogique, et entre autres, c'était celui qui était utilisé avec les modems 56K. Donc ce qui permet, on verra par la suite, par exemple, de pouvoir faire certains modes numériques qui demandent une fidélité de bande passante. Donc ça, c'est des projets futurs en termes de possibilités. Dans la conception, on s'est voulu que ça ne soit pas un réseau pyramidal. Alors, effectivement, c'est un réseau pyramidal dans le sens où il y a un serveur, il y a des clients, mais parfaitement, il est possible d'avoir un serveur dans le département de la Drôme, par exemple, parce qu'il y a, un modèle qui travaille dessus. On peut avoir également quelque chose dans le 43, dans le 42, dans le 69. Chacun peut avoir son serveur et il n'y a pas de notion d'être obligé de passer par quelqu'un, en fait. Voilà. L'idée, c'était vraiment de pouvoir avoir quelque chose où si jamais quelqu'un disait demain je coupe, qu'on ait un moyen de se retourner. Voilà. Parce que c'est un peu le problème des moments, malheureusement. Bien sûr, ça j'y tiens énormément, c'est que chaque relais est géré par son SysOp. Moi, j'ai pas à dire au SysOp, tu m'enlèves tel accès. Je pars sur la base que c'est pas du tout mon boulot. Si jamais il veut mettre du accès RRF, il met son accès RRF. Si il veut enlever une télécommande, il enlève la télécommande. S'il veut que de temps en temps le relais se connecte, il se débrouille là-dessus. J'ai pas mon mot à dire et puis je vois pas du tout l'intérêt. Je ne vais pas contraindre les personnes. On a essayé de faire également qu'à chaque fois qu'on plaçait un relais, il y ait un complément. Alors c'est pour ça que j'apporte qui compense son complément, donc un relais local. Donc par exemple sur Lyon, vous avez le R3X, mais entre guillemets pour des QSO un peu plus locaux, vous avez le R0, vous avez le RU11R, par exemple, qui permet d'obtenir les mêmes services, on va dire. Donc le but étant de ne pas imposer. Voilà. Saint-Etienne, il y a un relais UHF. Dans le 43, il y a le Mont-Lambre. Il y a encore d'autres réseaux, enfin bon, d'autres relais. Dans le 26, il y a le RU21. Enfin voilà, à chaque fois, il y a un petit complément à côté. L'hébergement du serveur est libre. Alors pour l'instant, il est chez moi, malheureusement. Mais par contre, on est en train de regarder pour le placer dans un data center sur Lyon, qui a l'avantage d'être secouru en batterie, avec des onduleurs, secourus donc également avec des génératrices, et reliés directement en AMNET, c'est-à-dire qui permet de se passer de l'Internet. Si jamais il y a un problème d'Internet, il y aura toujours le serveur qui sera accessible, et en plus secouru. Donc voilà, il y a une petite partie de résilience qu'on a essayé de maintenir pour être un peu plus, on va dire, étant Adrasec de mon côté, pour être un petit peu plus sur ce domaine de compétences Adrasec. Voilà. Alors il y a une idée également qu'on a essayé, là par contre, on ne va pas dire de l'imposer parce qu'elle n'est pas non plus imposée, il y en existe quand même, mais vous les verrez rarement ou très rarement apparaître sur la carte, c'est les points d'accès privés, c'est-à-dire ce qu'on appelle le hotspot. Donc j'y reviendrai tout à l'heure, là j'ai fait à la demande de Sébastien, FRE, effectivement j'ai rapidement créé des petites diapos hier pour expliquer la différence entre les points d'accès, les relais et autres, pour pouvoir expliquer un peu le système. Mais les points d'accès privés, je pars sur la base que une personne externe qui voit ça sur une carte va vouloir rentrer dedans, va pas l'entendre, ou va rentrer dedans, mais voilà, va pas avoir son retour. Donc je pars sur la base que ça peut exister, mais ça sera pas forcément noté sur la carte. Alors, vous avez vu la page que j'avais mis en bas, avec l'ensemble, la présentation en fait, et le positionnement des interconnexions IP et la présentation donc des relais. Donc en fait, on voit une partie en orange qui correspond aux FH qui sont en cours de réalisation. En vert, c'est les links qui sont actuellement actifs, hein, ce qui permet d'aller par exemple sur le bombardement qui est là, mais qui permet également, c'est encore en cours, mais d'aller sur Bourgoin-Jallieu. Il y a une liaison qui relie Saint-Étienne
à Fixe-Saint-Genès, dans la Haute-Loire, et qui va également au Mont-Alambre. Voilà, il y avait une liaison qui était en test. On avait trouvé le site, mais bon, c'était pas évident, mais qui faisait plus de 100 km, qui permettait de relier Lyon à Valence. Donc voilà, il y a des projets, c'est toujours en évolution, hein, c'est un peu l'avantage de temps en temps, il faut regarder la carte. D'ailleurs, je pense qu'on verra peut-être, j'espère avant la fin du mois ou dans le mois prochain, on est en train de filmer donc, la conférence, et on mettra un petit lien pour la vidéo et également un lien pour la partie explicative, documentation, enfin explication, et entre autres la présentation que vous voyez là également. Alors le dashboard en fait se présente avec des lignes en fait qui reprennent l'indicatif du relais, son département, le type de relais qui est utilisé, les fréquences d'entrée, le CTCSS sur chaque fréquence éventuellement, s'il est différent, et éventuellement la date du dernier événement, de dernier passage en émission, début d'émission, fin d'émission. Et où éventuellement, si la dernière action correspond à une connexion ou une déconnexion. On voit d'ailleurs que quand une personne est en train de parler, le petit bonhomme donc, bouge et le système est en jaune. D'ailleurs, on ne le voit pas ici, mais normalement, quand la personne parle, la petite puce passe également de couleur jaune. Quand on passe, alors ça, c'est des petites évolutions hein, qu'avait fait, il y avait Cédric, hein, qui est peut-être ici, 4GFZ. F4HOF, F4IR qui est sur Paris, qui ont travaillé un petit peu sur la présentation donc pour faire cette fameuse carte interactive. Et également, remontez, vous verrez à chaque fois que vous passez la souris par-dessus une puce, vous avez les informations de chaque relais, le locator, l'altitude, la puissance d'émission, la hauteur de l'antenne et une reprise de la partie sortie, fréquence de sortie, fréquence d'entrée quand c'est possible. Alors j'ai mis trois relais principaux dans le 69, dans le 38, parce qu'il était un transpondeur triband. Hein. On voit qu'il y a trois fréquences, deux VHF, donc 50-145, et une UHF. Et donc vous avez un relais aussi sur l'Ardèche, le bas de l'Ardèche. Alors j'ai essayé de reprendre rapidement ce que c'est qu'un hotspot. En partant sur la base d'un fonctionnement normal, on va dire. Donc on peut imaginer un système Amnet pour pouvoir connecter le système à l'infrastructure Amnet. La logique, qui est une type simplex, qui vient piloter un poste qui émet et reçoit sur la même fréquence. Donc, par exemple, c'est le cas à Moncura, hein, c'est à peu près ce type de poste. Et on voit ici que la personne qui émet ici est reçue en direct par la personne ici. Et également, son émission est captée par ce poste-là et retransmise vers le réseau. Inversement, quand le réseau va parler, ça va remonter vers le poste, ça va être émis ici et les deux portatifs vont recevoir. Donc ça explique pourquoi tout à l'heure je vous disais que j'évite les hotspots. Ça avait été demandé, je crois que c'est sur Clermont-Ferrand, ils m'ont demandé de placer un hotspot sur les hauteurs de Clermont-Ferrand. Bah, la problématique c'est bien, mais la personne qui va se trouver dans une vallée va pouvoir entendre le relais, mais la personne qui va se trouver un peu plus loin ne va pas entendre la communication. Donc ça risque de faire des problématiques de personnes qui vont se marcher dessus. Et malheureusement, les personnes, ça va compliquer les QSO. Voilà. Donc, dans l'idée, le point d'accès, c'est vraiment quelque chose. Pour désenclaver éventuellement une petite vallée, voilà, je crois que sur Amplepuy, il va avoir un roi qui va placer quelque chose, mais bon, c'est vraiment enclavé et ça va être assez local, on va dire. Donc, ce qui permet d'avoir peu d'utilisateurs et peu de risques de ces problématiques-là. Clermont-Ferrand, là où il voulait le placer, il y avait tellement de portée que ça allait poser, je pense, des problèmes. Donc dans ce cas-là, on est plus sur une logique de relais. Donc là, j'ai mis des grosses cavités, hein, mais c'est un relais VHF. Donc j'ai pris un exemple, un R0X, par exemple celui de Saint-Étienne. Et là, effectivement, on est sur une logique de relais basique, c'est-à-dire comme c'était historiquement, comme Georges l'avait laissé à l'époque, hein, c'est-à-dire qu'on avait une voie montante qui monte vers le relais sur une fréquence.
le relais récupère cette réception, la passe dans une logique pour pouvoir l'ouverture, les temps de maintien et autres, et réémet ça sur l'antenne de manière à ce que la personne B puisse le recevoir. Donc ça, c'est la fonction de relais que vous connaissez habituellement, ce qui est le cas du R0 actuellement sur Lyon. Donc ça, c'est assez standard. Et ce qu'on peut faire, on peut y ajouter une logique SVX, c'est-à-dire qu'on en prend l'ancienne logique, on l'enlève. Alors, j'avais fait ça sur Saint-Étienne, c'était un Talco TR160, donc ça a été assez simple. J'ai retiré la carte, il y a besoin d'un TX, enfin de BFTX, BFRX, un PTT, quelques composants, et en fait on l'a relié au Mnet. Et le fonctionnement est identique, la personne parle, ça fait monter le relais, mais quand elle parle, elle fait monter le relais, et ça sort également sur Mnet, et ça va vers le réseau, ça fait remonter le reste des relais, de manière à pouvoir communiquer. Et dans l'autre sens, en local, c'est réémis pour que la personne B puisse recevoir. Et également, si une personne parle sur le réseau ARA, elle est réémise de la même façon pour la personne B. Éventuellement, la personne A qui est en train d'écouter. Alors, le deuxième type de système que tout le monde connaît, c'est les transpondeurs. Donc, les transpondeurs ont la même problématique un peu que le simplex, c'est-à-dire que on peut rentrer ou sortir par une des voies, c'est pour ça que j'ai mis les deux directions ici. Donc la voie montante se fait en 145 ou en 432, et la voie descendante en 432 ou 145. Donc, quand une personne parle par exemple en 432, on va y arriver. Voilà, quand une personne parle en 432, elle va être réémise. Captée donc par ce poste-là, UHF, est réémise en VHF et va être captée en VHF ici. Donc là, on voit bien que cette personne-là n'est pas reçue en direct par cette personne-là, mais passe bien par le relais. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont efficaces, à part que bah, c'est pareil, ça fonctionne pour deux personnes, c'est-à-dire que la troisième personne qui est en train d'écouter ce poste-là ne va pas forcément entendre l'autre personne en direct, enfin, ça va passer par le relais. En termes de fonctionnement, ça peut être assez contraignant. Donc il y a des habitudes à prendre là-dedans, dans ce fonctionnement-là. Ce que je voulais rajouter, transpondeur, ah oui. Alors c'était, je ne me rappelle plus avec qui j'en parlais. La problématique également du transpondeur, c'est qu'en fréquence, en VHF, on n'a pas full fréquence. Et malheureusement, si on place sur un point haut un transpondeur, on voit qu'on très vite on réduit la capacité de fréquence sur la région. C'est-à-dire si on mettait que des transpondeurs, on aurait quasiment plus de fréquence VHF de disponible. Parce que c'est quand même assez gourmand. Voilà. Le deuxième système qu'on s'est amusé à mettre en place également, alors ça a été plus fait pour la DRASEC. Ça a été mis vers Saint-Étienne sur un point haut. C'est un système tribande. Il est également disponible sur Bourgoin-Jallieu. C'est le même système sur Bourgoin que j'ai mis en place. Et avec une logique à base de... une logique transparente, mais de transpondeur. C'est-à-dire que quand on rentre en UHF, on va sortir en VHF, donc 144, en VHF, 50 mégas, et tout ça va sortir sur l'antenne. Et donc du coup, la personne qui va se trouver en 50 mégas, ici, en simplex, va pouvoir recevoir les deux autres personnes de manière complètement... on ne voit pas trop de différence en termes de fonctionnel quand le système est bien réglé. Donc ça, le système transpondeur, c'est ce que l'on trouve assez souvent. Et à ça, j'ai fait également un autre ajout, qui a été le cas donc sur ZAD, et sur Bourgoin, qui a été de rajouter une quatrième voie. Donc en fait, c'est un transpondeur, normalement pas trois accès, mais quatre accès. C'est-à-dire qu'il y a la VHF, l'UHF de 50 mégas, mais également le réseau. Et dans ce cas-là, quand vous parlez sur une des trois voies, vous êtes retransmis sur le ARA, ou quand vous parlez sur le ARA, vous êtes transmis en simultané sur les trois voies, ce qui permet d'avoir quelque chose qui est assez complet, on va dire. 50 mégas étant pas beaucoup utilisé, et j'ai eu des bonnes surprises en termes de fonctionnement sur... je crois que c'était en partant sur Clermont depuis Saint-Étienne, on avait des trucs assez impressionnants en termes de couverture. Voilà, surtout sur les zones un petit peu vallonnées. Par exemple, je pensais dans le 03, dans l'Allier, par exemple, ça peut être assez sympathique à tester parce que c'est assez vallonné. Et si les autoroutiers ont utilisé ces fréquences-là,
ainsi que les DDE, c'est que ça a des capacités assez, assez impressionnantes. Moi, j'ai été assez, assez étonné du retour pour le 50 mégas. 50 mégas, c'est uniquement descendant uniquement. Non, dans les deux sens. C'est-à-dire que on peut rentrer. Alors moi je l'ai mis dans ce sens-là, mais on peut rentrer en 50 mégas. On voit ici qu'elle est vraiment dans les deux sens, au même titre que n'importe quelle voie. Hein. Après, effectivement, quand il reçoit, il ne va pas y mettre. Comme ce qui est marqué voie descendante seulement. Oui, excusez-moi, oui, c'est vrai. Je l'ai fait hier soir. Effectivement, je corrigerai pour la prochaine fois. Oui, on peut monter, on peut descendre. Voilà. Oui, après malheureusement, ça reste encore du transpondeur, donc ça va manger une fréquence VHF. Voilà, 145 mégas. Donc, mais bon, dans l'idée, 50 mégas, ça peut donner des accès. Alors, il y a un relais sur Saint-Étienne qui est sur le Gizet, qui fonctionne avec un shift de 600 kg, donc 51-950 en fréquence de sortie et 51-350 en montée. Donc pour on a voulu en fait réunir, c'était un peu lié en fait, hein, réunir l'idée d'interconnecter les relais avec le réseau ARA, parce qu'en fait il faut pour ainsi dire une colonne dorsale. Alors même si actuellement certains relais sont connectés en 4G, c'est le cas pour l'instant parce que c'est toujours du projet sur Valls-les-Bains là-bas, au bas vers Aubenas. Donc du coup, le but étant de maximiser la possibilité d'interconnecter les relais par des réseaux dédiés. Donc on a fait déjà quelques links, hein, quelques essais, comme je vous disais, Valence-Lyon, ça a été testé, ça marchait avec 101 km. Mais pour l'instant, en existant, on a le link qui va à KLY qui fait 17 km, le link qui va à Bourgoin-Jallieu qui fait 55 km, celui qui fait le Gizet R2X, donc qui est ici, qui fait 65 km. Il y en a un autre qui fait le Gizet Adrasek 42, donc qui n'est pas super stable, mais je pense parce qu'on a des problématiques. Il y a quand même beaucoup de vent sur le Gizet, et je pense que la parabole a dû tourner, parce que c'est pas Cédric qui l'a installé. Cédric a installé celle qui fait la liaison de 64 km, et depuis qu'elle a été installée, elle n'a pas bougé. Donc, par contre, il faut bien les amarrer, parce que vous verrez sur la table en bas, elles ne sont pas petites. Celle du Gizet R0X, donc elle est très très courte celle-ci, mais elle permet donc de faire les 5 km qui permettent de monter l'internet actuellement sur le Gizet en attendant que la liaison qui est ici soit montée. Il y a également une petite liaison supplémentaire qui, pour ceux qui connaissent le R5X, qui relie Fixe Saint-Genès au R5X. Pour l'instant, et même dans le futur, il n'est pas du tout prévu de relier le R5X au RA, il n'y a aucun intérêt, parce qu'on est sur un relais qui couvre déjà toute la région, donc il n'y a pas du tout d'intérêt de faire ça. Cependant, on avait un petit projet en UHF, que je n'ai pas encore eu le temps de finir, avec les problématiques d'accès voilà, sur le relais, surtout l'hiver. Donc il y a des links en projet, donc c'est ceux-ci, donc, qui font en moyenne 50 km, qui permettent de relier Saint-Étienne à Lyon. Le link sur Valence qui n'est pas représenté mais qui fait 105 km. Et il y avait un link qui était peut-être prévu avec le 01. Sur la table, j'ai le relais UHF, un relais UHF qui est prévu d'être installé sur Bourg-en-Bresse, sur un immeuble, de manière à faire la couverture un peu plus locale là-haut, parce que l'endroit étant un petit peu enclavé, c'est pas évident. Pardon ? À voir. On verra, sinon ça sera Montbarmont jusqu'à Bourg-en-Bresse. On va voir. Après, pour l'instant, on va le mettre en link comme ça, peut-être en simplement un link 4G. Après, l'idée, c'est de le tester, voir si ça marche, si ça désenclave vraiment. Bah, après, faire entre guillemets l'investissement pour upgrader et passer sur quelque chose un peu plus comment dire, pérenne. Pour l'instant, on est donc F4HOF a fait, on fera peut-être une démo après, a fait en fait un système qui permet de piloter les relais. Donc c'est-à-dire, on peut parfaitement isoler un relais, surtout ça peut être en cas de perturbation, ça arrive malheureusement.
Ça peut être de désactiver l'émission d'un relais pour faire des tests, voilà, un peu comme, comme en téléphonie, loquer une cellule. Donc du coup, tout ça se fait sur un protocole standardisé qui s'appelle le MQTT et qui a l'avantage d'être compatible avec plusieurs systèmes de domotique. Alors je parle de domotique par rapport à ce qui est existant déjà sur le Radio Club de Lyon, mais qui permet de, surtout d'être compatible avec d'autres systèmes, donc une interface web X ou Y. Donc c'est pour ça qu'il y a une interface web de pilotage des relais qui est aussi en cours d'élaboration par F4HOF et F4GC. Le but étant de ne pas faire tout nous-mêmes. L'idée étant que d'inclure des personnes externes de manière à ce que le savoir soit, on va dire, mélangé et contenu par tout le monde, en fait. Le savoir et la maintenance, surtout. La redondance, voilà, exactement. Parce que, malheureusement, on l'a vu à nos dépens avec Georges, qui, quand il nous a quittés, où on s'est retrouvés tous avec des relais et on ne savait plus comment ça fonctionnait. Voilà. Donc, il y a des idées pour l'instant, c'est pas encore fait, de provisionnement des configurations à distance. Ça, c'est-à-dire que la possibilité de préparer une configuration et quand la personne met son relais en place, entre guillemets, de manière complètement distancielle, de poser le système à jour sur le l'Orange Pi, enfin de faire les mises à jour et un peu comme vous faites une mise à jour Microsoft, et donc de mettre à jour le système à distance. 4GFZ a également travaillé, donc là il y a des choses qui ont été passées. Je pense à 4GSP, à Eric, par rapport à un OS assez léger et épuré, beaucoup plus que le système actuel là, qui est développé par F5NLG. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le projet de G711 qui est transparent de 300 kg à 3,7 kg pour la data. Donc ça sera sous forme, en fait, alors il y a peut-être des pompiers, mais on parle souvent... Pour le système qui s'appelle Antares ou INPT, on parle souvent de conférences. En fait, on fait des conférences. C'est pour ça qu'on parle de conférences Auvergne-Rhône-Alpes, conférences FRMCOM, et on fait une conférence de test. Et il y a également, peut-être en futur, une conférence spécialement pour la data, pour pouvoir faire tous les modes numériques un peu particuliers, pour les transferts de données. Donc il y a tout ce qui peut être compatible avec le fameux codec G711, qui est quelque chose qui est assez efficace en termes de rendu. Alors là, vous avez la capture des trams, en fait, qui sont échangées entre le serveur et le client qui a un relais et qui lui dit, par exemple, de switcher sur le ARA. Et donc, du coup, il acquiesce la commande et il bascule sur ARA. Donc, en fait, c'est y a un petit ping qui est également créé de manière à vérifier que la communication est toujours disponible avec le relais. Donc ça fait un moyen, on va dire, de supervision, en fait. Alors, dans le projet qui avait été initié par F5TFN, il y avait le projet donc d'ISO fréquence. C'est un truc qui tenait à cœur et que je trouve assez sympathique, surtout qu'on a été confronté. C'est pas vraiment un problème, mais on a eu des remontées, on va dire, d'informations sur l'utilisation, par exemple, du R4. Donc c'est assez compliqué au niveau d'une région de pouvoir, je n'irai pas contenter tout le monde parce que ce n'est pas forcément ça, mais malheureusement les relais VHF ont souvent des portées assez lointaines. Et là entre autres c'était sur un relais qui se trouvait vers Montagne de Lure, je crois, de mémoire. Voilà, Montagne de Lure. Et donc du coup, malheureusement, les personnes qui recevaient la Montagne de Lure 52-53 dans les bonnes conditions ne comprenaient pas pourquoi maintenant ils recevaient un relais 59+30 à la place. Donc c'est assez compliqué d'arriver à contenter tout le monde. Donc dans cette idée-là, sous condition que ça fonctionne, l'idée était d'utiliser ce qu'on appelle du SFN, Single Frequency Network, de mémoire, c'est ça, il faut corriger après sinon. Et donc du coup c'est assez connu en TNT et en DAB, c'est ce qui vous permet en fait d'avoir des relais et qui sont synchronisés avec ce qu'on appelle des licences de garde pour la partie numérique.
Mais oui, pour l'analogique, c'est assez basique et c'est assez connu sur le 107.7. Hein, c'est ce qui vous permet de descendre jusqu'à Montpellier sans avoir à changer de fréquence et de manière complètement transparente. Donc en fait, on va simplement synchroniser avec un système de GPS, l'ARF, parce que c'est vraiment le plus important. Hein. Vous pouvez l'entendre, par exemple, quand une ARF n'est pas synchronisée, c'est quand vous avez deux personnes qui prennent un PTT sur un relais, ça fait une espèce de bourdonnement derrière. Et bien ça, c'est le phénomène de battement qui est dû à la différence de temps de synchronisation entre les deux émetteurs. C'est-à-dire que les deux émetteurs ont beau émettre sur la même fréquence, ils ne sont pas cadencés à la même vitesse. Voilà. Donc là, l'idée de mettre la même synchronisation RF permet déjà d'éviter ce bruit, ce ronflement, parce que les fréquences sont synchronisées. Et derrière, il y a une deuxième chose à faire, qui est de synchroniser les BF de manière à éviter un effet d'écho, on va dire. Donc l'écho va être vraiment minimum, en théorie, donc restera à voir dans le fonctionnel. Hein. Ça reste après un test que je veux faire. A single frequency network. Voilà, c'est-à-dire qu'on utilise, c'est un réseau avec une seule fréquence. C'est-à-dire que vous, votre poste, vous le laissez régler. Alors là, c'est pour ça que j'ai vu avec les ARU. Pour l'utilisation donc, de fréquences qui sont au niveau IARU attribuées à des entrées-sorties relais qui sont juste avant le R0. Donc c'est deux canaux avant. Alors moi dans l'idée ça serait plus de prendre le 975 de manière à avoir 25. C'est pas 144. Ah ben voilà, c'est une erreur. Merci. 144, 975. Merci. C'est la bande satellite. Oui, sinon là c'est mal barré, je vais me faire taper sur les doigts cette fois-ci. Oui, effectivement, c'est juste avant, c'est une erreur de frappe. Donc c'est le premier canal, c'est 145.00 pour la fréquence d'entrée et 145.600. Donc là, c'est, oui, je voulais te parler de fréquence d'entrée à 144.975 et en sortie, en 144.575 normalement. Oui, ça va être ça. Donc, effectivement. Donc du coup, l'idée était de faire un test avec ça, en prenant, je pense, le 975 de manière à s'éloigner au maximum du relais R0 de Lyon, parce que je voudrais mener l'expérimentation entre Bourgoin-Jallieu et Lyon, ce qui permettait d'avoir une zone de recouvrement assez large et de voir comment ça réagissait au milieu. Bien sûr, pour la fréquence montante, la BF qui va être captée par les deux relais, en prenant par exemple Bourgoin et Lyon, il va y avoir un tri qui va être fait sur le meilleur RSSI et également, alors ça reste à vérifier, mais normalement il y avait aussi une qualité BF qui était mesurée, en gros un signal sur bruit. C'est-à-dire que le relais qui va donner le meilleur RSSI et le meilleur signal sur bruit, donc les deux vont envoyer leur rapport avec leur audio capté au serveur, et quand le serveur va voir arriver, il va voir arriver le niveau de RSSI, le niveau de qualité BF, et ben il va prendre celui qui a le meilleur RSSI et la meilleure qualité BF de manière à pouvoir le retransmettre vers les deux relais de manière synchronisée et que les deux relais au même temps, voilà, la micro ou nanoseconde, je ne sais plus, à la microseconde au moins, réémettent la même BF au même moment. Et donc c'est calé. Alors j'ai rien inventé, hein. C'est calé sur un réseau existant en Hollande. En Hollande, en fait, eux, ils ont fait ça autrement. Ils ont mis un peu, on va dire, au fonctionnement, je crois que ça doit être dans l'aviation qu'ils utilisent ça. Ils ont des stations de réception et des stations d'émission. Alors eux, ils ont limité les stations d'émission, mais ils ont augmenté le nombre de stations de réception. Ce qui permet en fait d'avoir la station qui entend réémettre. Alors moi, chez eux, je pense que c'est tout plat. Chez nous, c'est pas très plat. Donc je sais pas trop comment ça peut fonctionner. Je préfère rester sur quelque chose d'assez simple, de relais et de système. Donc à savoir que, bien sûr, ça empiétera pas sur les relais existants. Il n'y a pas du tout d'intérêt de dérégler des cavités. Parce que j'ai pu récupérer deux jeux de cavités, deux relais qu'on peut synchroniser. Donc normalement, c'est juste le temps maintenant qui peut manquer. Et ça, donc, c'est le schéma un peu fonctionnel de la maquette qui va être faite, c'est-à-dire qu'on retrouve un serveur. Alors, là où on avait un doute avec Geoffroy, c'est si le serveur doit être également synchronisé par GPS, je ne sais pas trop. Je dirais plus que j'ai un doute, mais après, ça reste des choses encore à tester. Et on reste exactement sur les mêmes systèmes, c'est-à-dire c'est un Orange Pi0 comme il y a actuellement sur tous les systèmes, avec simplement la BFTX, BFRX, PTT.
Mais par contre, en plus, on rentre dans le système. Alors, il ne faut pas utiliser de système USB pour la partie série. Il faut rentrer un PPS de manière à donner le top synchro pour le début de, pour le passage de notre trame, la synchronisation de l'ABF. Et bien sûr, de l'autre côté, il y a le 10 mégas qui rentre dans le relais et qui vient synchroniser les émissions des deux relais pour que les fréquences soient identiques avec les mêmes fronts montants, entre guillemets, radio. Bon, j'ai présenté ça sous forme avec des FH, mais on peut parfaitement réutiliser l'existant. Alors, je ne me rappelle plus, mais les délais pouvaient être assez... je crois qu'on était sur du délai standard en termes de ce qu'on utilise actuellement. Voilà. Après, vous avez mon mail ici si jamais il y a des questions. Je la mettrai disponible sur le... j'ai fait un blog en fait où je reprends un peu tous les tests que je fais. Ça me permet un peu comme Fred de faire un petit mémo pour pouvoir retrouver un peu les infos. Et donc on essaiera de l'inclure également sur la page de ARA, donc la page ARA qui nous fera peut-être d'avoir la vidéo et également l'accès à cette présentation corrigée, je dis bien des bugs que j'ai pu laisser traîner. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fait, la présentation, c'est un support et ça entraîne souvent les questions derrière, donc je suis tout oui. J'espère avoir été clair, donc n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous paraissent un peu... Alors les links se font sur les fréquences amateurs en 5 gigabits. Donc en fait, on privilégie de ne pas utiliser des fréquences qui peuvent interférer avec les radars météo. Et surtout, on est sur des puissances PAR qui sont de l'ordre. Alors pour le link de Saint-Etienne fixe à Genève, je crois qu'on est pas loin du kilo de mémoire. De PR, 1 kg de PR à peu près. En 5 gigabits. Ouais. Voilà. Alors le link Valence-Lyon, on avait fait un test depuis le Limouche, de voir le Limouche 2, donc on avait trouvé un endroit. Malheureusement, il avait laissé quelque chose sur place et en 2-3 mois, il s'était fait tirer son équipement. Donc voilà, on a dit ce site-là, on va l'éviter parce qu'en termes d'accès, déjà en accès c'était compliqué, et même si c'était compliqué, les mecs ils venaient piquer de matériel. Sur Limouche, il y avait un radiocopteur. Oui, FC6CEG qui était là-haut, mais malheureusement il est décédé. Mais c'était cet endroit-là, ouais. Hein. C'est pas le premier Limouche qu'on connaît qui était à la boucherie, c'était un deuxième qui se trouvait décalé. Ou sur la crête en fait, sur une crête un peu plus loin. Voilà, donc le matériel avait disparu en un week-end, donc du coup, en un week-end. C'est pas sur le week-end, mais il est retourné, il n'y était plus. Mais c'est là où on avait fait les tests entre le Mont-Barmont et Valence, et on avait, je crois, un débit de 88 mégas, je crois, de mémoire, qui était largement suffisant et assez stable pour pouvoir faire les tests, surtout au bout d'un trépied sur le toit du relais. Donc, voilà, c'était assez efficace. Et sur ce PRS, alors, sur Saint-Péret, c'est plus au sud. Il y a le relais là-bas de... Alors, bah non, et bah ça ne passe pas. Ça malheureusement, passe pas. Non. Ça n'arrive pas à passer. Non, depuis Lyon, c'est pas évident de sortir. Alors après, il y aurait le moyen de passer par le Mont-Alambre, de redescendre sur le Limouche et du Limouche retourner sur Saint-Péret. Mais voilà, et après dessus, mais il y a des projets. Hein. On avance. C'est que la lampe, l'hiver, bah, il est sous la glace. Voilà, le problème c'est que la lampe, l'hiver est sous la glace, mais évidemment les antennes tiennent toujours. Hein, mais effectivement, par contre, il y a des gros tas de glace et on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Ça fait sauter les liaisons. Ça fait sauter les liaisons. Surtout sur des grandes distances. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y avait. Oui, parce que le Pila, malheureusement, les places sont chères. Sur le Pila, les places sont très très chères. Oui, effectivement, sinon le but, ça serait d'avoir le Pila. Sur le Pila, on fait... ah bah oui, il y a 3 sites. Alors moi, j'avais... Si ce agit là, on en avait une fois un peu discuté, mais...
Après, le problème, c'est qu'ils ne sont pas chez eux, c'est un site un peu particulier, il faut refaire des déclarations de fréquence. Donc voilà, c'est assez compliqué pour un résultat qui peut être très compliqué à obtenir de manière à pouvoir pointer des paraboles. Ça oblige à faire des doubles pointages et d'avoir deux équipes. Enfin, c'est assez contraignant. Voilà. Surtout que c'est un site particulier là-haut. Caquille, on va dire. Alors sur Vienne, mais après, ce problème, c'est toujours d'avoir des... Alors le Vienne, mais rue 11, je crois que c'est impossible. Oui, le Vienne, Valence, et rue 11, j'ai un doute, je me rappelle plus c'est qu'il était. Mais le problème, c'est pour faire, c'est pareil, pour aller jusqu'au rue 11, parce qu'il est quand même derrière Vienne, donc je suis pas sûr qu'il soit à vue directe de Lyon. Voilà. Sur les hauteurs Saint-Romain-en-Galles, mais un petit doute sur la présence d'une montagne entre les deux. Et en passant par Saint-Étienne sur Vienne. Saint-Étienne sur Vienne non plus, non, pas du tout, il n'y a rien. Ah, c'est pour ça que malheureusement les lignes c'est assez efficace, stable, parce que notre étonnement, on a mis, ça fait quoi, deux ans à peu près, qui doit être deux ou trois ans. C'était avant le Covid, je m'en rappelle plus. Donc plus à savoir. Il y a le lit qui a été installé entre Saint-Étienne et Fix Saint-Genès, 64 km et dans l'ensemble il est très stable. Voilà. Bon, mais il faut demander les fréquences au QO. Après, là on est sur des canaux. Ah oui, pour répondre à la question, j'ai répondu à moitié en plus. On est sur des fréquences en 5 gigabits, mais on est sur des largeurs de canal de 10 mégas. Voilà. Par contre, on obtient des débits qui sont entre guillemets suffisants pour passer de la voix, voire même on pourrait presque passer de la vidéo, je pense. Par contre, c'est une histoire de stabilité, c'est pour ça qu'on a réduit la bande passante de manière à maximiser la stabilité de la liaison. Voilà. Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, dans le fond. Enfin, je n'ai pas tardé. Pour la stabilité, il faut également amarrer Alors, on avait des grandes questions là-dessus sur le pylône de Fix Saint-Genès, parce qu'il se trouve en haut d'une montagne, alimenté par panneaux solaires avec un petit pylônet. Et on avait peur du twist du pylône, parce que le pylône peut tourner sur lui-même. Et bien, à mon étonnement, ça n'a pas trop bougé. Alors, peut-être que des moments, quand ça saute beaucoup, la liaison, peut-être qu'elle est moins bonne, mais à mon étonnement, c'est quand même assez stable. Les gens avaient peur de ça. Mais les parois sévères, on n'a pas eu. Ouais. On a eu plus de problèmes sur les liaisons de 5 km, Saint-Agathe jusqu'au Cluzet, que sur celle de 64 km. Voire même la celle de l'Adrasec qui n'est pas super stable. Mais bon, parce que la parabole, elle a un peu twisté sur le pylône de Cluzet. Mais voilà, effectivement, la largeur de bande, la stabilité, il y a des choses que. Bah, après, le but, pour nous, c'est d'expérimenter. Donc voilà, on a vu que sur 64 km, c'était pas mal. Donc, pour l'instant, dans notre tête, la limite, c'est 64 km. Alors ça, c'est sur la région, il faut un peu sur le côté. Alors moi, j'avais... Oui, alors, après, c'est pareil. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas tout faire. Que chaque région... Voilà, alors par contre, le but voilà, étant de les mettre en lien. Donc pour l'instant, il y avait sur le 26, 4 IGC qui travaillent. Et également, moi, j'avais aidé à l'époque... Ambroise a monté son réseau DMR sur le sud. Et effectivement, quand ils ont installé au Mont Ventoux, donc j'avais donné à Maurice Naoum, à FAVN, j'avais donné 4 antennes que j'avais récupérées d'un collègue sur Lyon, là, 4 panneaux qu'ils ont montés. C'est ça doit être un réseau PACA, ouais, je pense. Hein, orienté DMR, il y a le Ventoux, le Mont Aigoual, le Massif de l'Étoile, je crois qu'il y en a quand même pas mal sur les environs de Marseille. Et donc du coup, Ambroise, je lui ai dit, ce qui serait bien également, c'est vu qu'il y a le Ventoux, tant qu'à faire les demandes, donc il a fait, il a fait une demande pour 8 FH, 8-FH sur le Mont Ventoux auprès de, pareil, des Kakis. Donc du coup, il est dans la tour de l'armée, il a un étage où il peut placer jusqu'à 8 FH. Donc il y aurait possibilité, en théorie, après, faire Lyon-Valence, Valence... c'est qu'à la télévision Rachat, ouais, c'est ça, voilà, mon Rachat. Et après, mon Rachat, mon Ventoux, et mon Ventoux redescendent tout en dessous. Après, on les laisse gérer la partie sud, mais bon, ils sont preneurs jusqu'à Nice, pardon. Jusqu'à Nice. Voilà. Après, le problème, c'est toujours pareil, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, comment on se finance, et surtout, de trouver des sites.
leurs amis d'opérateurs. Puis lui, il est très Ambroise et assez efficace pour ce qui est de la recherche de, points hauts et la prise de contact avec les personnes. Il est assez efficace. Donc, du coup, après, c'est plus en partie, pas trop grand chose à dire dessus, si ce n'est de pouvoir s'interconnecter. Mais effectivement, le but étant, c'est pour ça qu'en fait le Hamnet, je dis, c'est un peu une extension du Hara, parce que ça permet de faire déjà les premières parties du réseau. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, hein, sur cette présentation, mais il y a également des projets, parce que là on fait la dorsale IP, mais derrière il peut y avoir de la redistribution avec du NPR 70 par exemple, où Geoffroy fait des expérimentations en 2 giga 3. Donc en dessous les canaux qui sont juste en dessous des bandes Wi-Fi, de manière à pouvoir faire les derniers kilomètres, mais en 2 giga 3, plutôt qu'en 5 giga, qui est un peu plus contraignant quand même. Donc faire les derniers mètres, soit en NPR pour la partie 400 mégas, pour ceux qui ne sont pas vraiment à bout des relais, soit en 2 giga 4 pour ceux qui peuvent être à bout. Peut-être préciser qu'on cherche des volontaires pour aller châtelier le giga 2. Ouais, alors le 1 giga dans la tas à cause du GPS, j'ai un petit doute là. Mais bon, après, ils sont plus en train de faire le ménage dans les banques et les rétribuer aux opérateurs. Mais en 1 giga 2, effectivement, il y aura peut-être des choses à faire, mais... On va faire des jolis largeurs de canaux. Voilà. Oui, mais bon. Voilà. Après, je sais pas s'il y a d'autres questions. Bon. Eh bien, écoutez, on vous remercie de votre attention.